السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تلامذة الأعزاء. dans cette séance je vais vous présenter la correction du devoir survie numéro 1 modèle 2 deuxième semestre correction. Exercice numéro 1. Répondez par vrai ou faux. Le dipôle qui produit le courant électrique est un générateur. C'est vrai. Ou bien une pile. Un circuit comportant plusieurs boucles est un circuit en série. التركيب الكهربائي الذي يحتوي على أكثر من دارة فهو على التوالي فهو خطأ إذن سيفو إذن أون باراليل ماشي أون سيري. لا تمبيراتور سو ستابيليز بوندون ليبيليسيون دو لو ديستيلي أ 100 دوغري سيسيوس إذن لو ديستيلي سيت أنكور بيور. L'ébullition, c'est un changement d'état. Le tarif est vrai. Là, le distillat est un corps pur. Bien sûr, donc, c'est un corps pur, c'est vrai. Le cotara fait jismon khalis. Fait natijan fasl mkawinat khalit motajanis. C'est un mélange homogène. Deuxièmement, complétez les phrases suivantes avec ce qui convient. Lampe, série, ou bien en série, interrupteur, conducteur, isolant, pile, fil, panne. La première phrase, le circuit électrique simple se compose d'un interrupteur, et d'une pile et du fil et la lampe et la lampe. Nous appelons les objets qui permettent le passage du courant électrique. L'ajsam la tismahu bi murur tiyar, ce sont des conducteurs. Conducteurs. Mousilat. Et qui ne permettent pas le passage du courant électrique. Des isolants. Isolants. En montage, l'une des lampes est en, toutes les lampes sont éteintes. Il y a un fédéral qui va le tawali en série. Lorsque l'une des lampes en panne, il y a un jamais le masabih faillé sofa tantafi. Cocher la bonne réponse, conducteur ou bien isolant. Le bois, donc le khachab, c'est un isolant. Coton, le coton, c'est un isolant. Le cuivre, c'est un matériau conducteur. L'aluminium aussi. Et l'eau salée, c'est un conducteur. Remplacez le tableau ou bien remplissez le tableau suivant. L'élément électrique, le symbole, la lampe. Voilà le symbole de la lampe. Le symbole normalisé. Ou
إذا كاين هاد لو سامبول أو بيان هاد لو سامبول هذا دو سامبول لو جينيراتور الجينيراتور عنده هاد لو سامبول أوسي جي غران جي و لو سامبول دو لا بيل plus ou moins, il y a un juge comme ça, les deux symboles, fil de connexion, un tri, un moteur, symbolisé par la lettre M, un cercle qui contient la lettre M. Deuxièmement, exercice 2, classer en ordre correct les étapes suivantes. Les étapes du traitement de l'eau potable. On commence par le dégrillage. Le dégrillage. Deuxième étape, c'est la décantation. La décantation, donc ça c'est 1, 2, troisième étape c'est filtration par sable, 3, filtration par sable, 4, filtration par le charbon actif. Filtration par le charbon actif. Cinq, désinfection bien stérilisation. Désinfection, taqim. 6, le stockage. Et le stockage. Voilà les étapes du traitement de l'eau potable. On passe à la deuxième question. Faire le schéma d'un circuit électrique simple. Qui comporte une pile voilà le symbole de la pile la lampe on dit la lampe non la lampe voilà le symbole de la lampe et interrupteur au vert voilà l'interrupteur au vert voilà et un moteur le moteur indirou venaire ah ouais, le moteur la lettre M et puis نربطو بين هذه العناصر بواسطة الأسلاك إذن باستعمال المسطرة كذلك نديرو هكذا et voilà donc là c'est un circuit électrique simple. Troisièmement, déterminer le type du montage des deux récepteurs, lampe et le moteur. Donc, le circuit là comporte une seule boucle. Et le type de le montage, c'est en série. Le type
démontage et en série. Quatrième question, on ferme le circuit, qu'arrive-t-il à le moteur si on dévisse la lampe lucifiée? Alors, ici, on a un montage en série. Donc, lorsqu'on divise la lampe, dans un montage en série, le circuit sera ouvert. Alors, le moteur ne fonctionne pas. On passe à l'exercice 5, déterminer le montage en parallèle et en série. Le montage en série. Dans le montage 1, on a deux boucles. Première boucle, deuxième boucle. Donc c'est un montage en parallèle. Dans le deuxième montage, une seule boucle en série. De troisième montage, on a deux boucles, donc c'est un montage en parallèle. En parallèle. Exercice 3. On fait chauffer deux liquides A et B séparés lors de l'ébullition. On repère la température de chaque liquide au bout d'une minute. On obtient le résultat suivant. On repère la température du liquide A. La température, le changement d'état, c'est-à-dire l'ébullition, il y a un palier de température constante. Et le liquide A, c'est un corps pur. Le liquide B, la température pendant l'ébullition change. Il est toujours augmente. Il n'y a pas de la stabilité de la température. Alors, quel est le liquide qui représente un corps pur et qui représente le mélange? Justifié. Le liquide. Le liquide A. Représente le corps pur, car lors de l'ébullition, lors de l'ébullition, c'est-à-dire changement d'état, d'état physique, c'est-à-dire changement d'état physique, la température reste constante. La température reste constante.
Le liquide B représente le ou bien représente un mélange car lors de l'ébullition ou c'est-à-dire changement d'état, la température sa température change. C'est-à-dire ne reste pas, n'est pas constante. Deuxième question, associer chaque graphe par le liquide correspondant, liquide A ou bien liquide B. Le graphe A, c'est la représentation graphique de la température en Celsius en fonction du temps. Et non, la stabilité de la température. Et non, un palier de température. Donc, elle représente le liquide A. Liquide A. C'est-à-dire le liquide A ou encore pur. Ou encore pur. Et non, elle représente, non, il y a l'augmentation de la température. Hein. Il n'y a pas un palier de température. Donc, elle si, liquide. B, c'est un mélange. Il y a le changement d'état, quelqu'un les deux phases, ou bien les deux états, l'état solide mais l'état liquide, et là, quelqu'un un palier de température. Le corps pur, le mélange là, quelqu'un la température ne reste pas yani constante. Troisièmement, légender le schéma de distillation par les mots suivants. Voilà le schéma de distillation, c'est-à-dire la distillation, c'est une technique de séparation des constituants d'un mélange homogène. Donc, 1, c'est le chauffe-ballon. 2, c'est le mélange, c'est-à-dire le Une eau salée. Une eau salée. 3. Donc la sortie d'eau. D'eau tiède. Rouge le mets de 4, c'est le réfrigérant. 4. Réfrigérant. 5. L'entrée. Dis-moi l'entrée quand tu commences le test ou la sortie. Mais le fort dit le réfrigérant. Il y a un an. L'entrée. D'eau. Et donc dans le de la condensation de la vapeur le liquide sixièmement le liquide dans le récipient c'est-à-dire le distillat voilà A donné le nombre de sites techniques. Donc, site technique s'appelle la distillation.
B, donner le nom de l'eau obtenue, donc c'est une eau pure, bien eau distillée. Ou bien eau distillée. إذن نتمنى أنكم تستفيدوا من التصحيح هذا. اللي عنده شي تعقيب أو إضافة يكومنتي في الفيديو، وشكرا على انتباهكم وإلى اللقاء.